Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, review anime, et on va parler de La Cité Interdite, Wicked City, film d'animation sorti en 1987, réalisé par Yoshiaki Kawajiri. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, j'en ai déjà parlé de ce monsieur, dans ma dernière vidéo review anime, avec le fameux Ninja Scroll. Il a réalisé entre autres Vampire the Hunter, Demon City. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il n'est pas seul. Au scénario, nous avons un autre talentueux mangaka, Hideyuki Kikuchi, qui a écrit aussi pas mal de choses. Vampire Hunter, Le Vent d'Amnésia, Dark Side Blues. Avant de vous parler de l'histoire, je vais vous mettre un petit extrait. Regardez. With the fate of the world lying in the balance, his task is simple. Protect a man's life for 24 hours. Guard him without fail, because as far as the radicals are concerned, if they can kill him, they'll control everything. Thrust into a world of supernatural treachery, his only hope that his new partner is as good as she looks. Top agents from opposite worlds. They are the last defense against the anarchy of the black world. For the life of me, I can't figure out why you're my partner. What you mean is why your partner is a woman of the black world. The twisted beings from the other side will do anything to stop them. Wicked City. Donc parlons un peu de l'histoire. Nous sommes dans un monde où les humains et les démons cohabitent, mais les humains ne savent pas l'existence des démons. Il y a une cohabitation entre les deux espèces grâce à une organisation secrète qui s'appelle l'organisation de l'Ocul. Cette organisation veille à ce que tout se passe dans l'ordre. Ils signent des accords de paix et créent des règles à respecter. L'histoire se situe au moment où le traité arrive à expiration, et donc doivent être re-signés par les deux espèces. Mais pour que ce traité soit validé, il faut obligatoirement la présence de Giuseppe Maillard, qui est un vieillard président de l'organisation de l'occulte. Et comme vous pouvez vous en douter, certains démons sont contre cette signature, et ne veulent pas de cet accord. Et donc, ont décidé de tout faire pour tuer ce monsieur Giuseppe Maillard. Et donc, l'organisation occulte décide d'engager deux gardes du corps. Notre héros, Taki, un virtuose du combat et de l'arme à feu, et une femme démon du nom de Maki. Et donc, les deux gardes du corps sont là pour protéger Giuseppe Maillard. Ils doivent protéger Giuseppe Maillard jusqu'à la signature définitive du traité. Comme d'habitude, je m'arrête là pour le scénario, pour éviter de vous spoiler le film. Alors, mon avis sur ce film d'animation. Le film est très bien réalisé. Les dessins ont un peu vieilli, certes, mais cela passe très bien encore. L'histoire tient très bien la route, on a un twist assez sympa vers la fin. Niveau action, il y a pas mal de bonnes scènes. Certains démons ont un style vraiment sympa. Par contre, un très très gros point négatif pour moi, je trouve qu'il y a trop de scènes de cul. Faut être clair, dans cet anime, je trouve que c'est un peu du n'importe quoi. Et je trouve que ça coupe énormément le dynamisme du film. A chaque fois qu'un démon attrape Maki ou une fille, obligatoirement, il faut qu'elle soit foutue à poil. Et obligée de se faire lécher par le démon, et ainsi de suite. Enfin, au bout d'un moment, la première scène, deuxième scène, ça va. Au bout d'un moment, si j'avais voulu voir un film porno ou un film hentai, j'aurais pas choisi celui-là. Mais bon, cela ne gêne en rien que le film est un bon film. Et je vous le conseille si vous aimez le genre horrifique épouvante. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de voir ce film, ou de le revoir pour ceux qui l'auraient vu à l'époque en VHS. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye!